Oscar Galanage. Bonjour, bienvenue. Le 14 novembre prochain se tient à Bruxelles, dans la prestigieuse salle du Birmingham à Bruxelles. Le cœur de l'Europe, la grande nuit des Oscars, seront présents bien évidemment les grands acteurs de ce que le showbiz et le milieu associatif africain font de stars, les plus belles, les plus glamour. Et pour nous en dire un peu plus, pour en parler, nous avons la chance de recevoir une voix, une belle voix, un visage connu des médias. Présentateur de haut vol des soirées africaines, le bien nommé Pascal Pierre, le double P. Pascal Pierre, bonjour et bienvenue, comment vas-tu? Très bien, bonjour, bonjour Frangin, bonjour, c'est toujours un plaisir d'être ici à Bruxelles de passage, et puis voilà, c'est une bonne occasion d'en parler, de l'événement qui arrive, de notre frère Willemix et Didier François, et puis de toutes ces personnalités qui ont déjà dit oui à cet événement qui arrive le mois de novembre. Je crois que c'est l'événement qui s'impose ici, d'abord par sa nature et par l'initiative. Et une fois de plus, nous aurons l'occasion de monter en puissance et de donner ce qu'on a de meilleur dans le showbiz de la diaspora. C'est une bonne initiative que moi je soutiens. J'ai été sollicité lors de la première édition, et bien la deuxième édition, il y a des choses qui se préparent. Tu m'en diras un peu plus. Maintenant, pour rentrer de plein pied dans cet événement qui nous tient tous à cœur, ouais. La grande nuit des Oscars, c'est pour le 14 novembre prochain à Bruxelles. Toi, tu reviens cette année après le succès foudroyant de l'année dernière. Quel est le sentiment qui t'anime? C'est un sentiment de fierté et surtout de. Je voudrais d'abord remercier l'équipe de me faire confiance à nouveau pour cette deuxième édition. Je pense que la première édition, elle a été remarquable. Tout le monde a été au point. Les présentateurs, parce que je ne suis pas le seul présentateur, on y sera tous. Les DJ, les serveurs, tout le personnel, on a marqué un point. Et maintenant, le challenge, c'est maintenant d'aller plus haut, plus fort et de faire mieux que l'année dernière. Et donc, me solliciter à nouveau, c'est un privilège, bien que à un moment donné, j'ai été appelé ailleurs, j'ai dû annuler un événement. Mais justement, qu'est-ce qui fait que tu décides d'accepter de venir justement? Non, parce investir que... Parce que les initiateurs, c'est des personnes, c'est des petits frères que je respecte, c'est des professionnels. Willemix, que j'ai rencontré. Une entreprise. Voilà. Et puis, non, la première rencontre, c'est ce qui détermine la jonction entre deux personnes. Quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé en lui quelqu'un qui savait où il allait. Et je me suis. Laisser séduire par son talent, par sa foi et puis par son professionnalisme. Et voilà ce qui m'anime. Ce n'est pas une question d'argent, parce que je ne pense pas que Willemix serait prêt à me donner 5000 euros. Non, voilà, je sais très bien que je ne viens pas pour de l'argent. Et les rapports entre lui et moi, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect entre professionnels. Et c'est ce qui m'amène à nouveau à être là pour la deuxième édition. Voilà. Alors, nous sommes animateurs, nous sommes présentateurs de soirée, et la scène, c'est notre milieu naturel, c'est notre terrain de jeu préféré. Est-ce que tu as déjà, toi, une idée de ce que tu vas pouvoir offrir à tout ce public qui viendra le 14?
Bah, si oui, est-ce que tu peux nous en dire oui, un peu oui, plus? Oui, oui, non, mais j'ai demandé précisément, et ça on est en train de travailler, j'ai demandé à mes deux amis, DJ François et Olimix, parce que ce sont les deux qui sont aux manettes, je leur ai demandé un certain nombre de choses et c'est en train d'être préparé, je ne vais pas dévoiler ici, hein, mais surtout, je sais qu'ils sont tous les deux professionnels et on voudra que cette soirée-là soit la meilleure sur le plan technique, sur le plan scène. Tout le scénario ne sera pas dévoilé avant parce que bon, on a un protocole qui va se définir en deux temps. D'abord, c'est ce que les diplomates appellent souvent l'ordonnancement. Il y a la première partie qui est celle des awards, des récompenses, et puis la deuxième partie qui est celle de l'animation en du général, festif, etc. Donc, on est en train de faire en sorte que la première partie ne soit pas plus forte que la deuxième partie parce qu'on voudrait que, en même temps, pour ceux qui viennent, qui seront honorés, les lauréats, les futurs lauréats, qui sont plus ou moins connus, je pense que la plupart aujourd'hui s'apprêtent à venir à cette très belle fête le 14 novembre prochain. Donc, question de dire que DJ François et Willy Mix, nous sommes en synergie, nous travaillons, le conducteur au jour le jour et le reste, ce sera ce jour-là. Et puis, des merveilles. Hein, ce sera quelque chose d'exceptionnel. Je prépare bien sûr des surprises, mais pas de demande en mariage. Non, et voilà, résolument dit, peut-être aussi, bien évidemment, le constat. Sur mesure. Ah oui, bien sûr, bien pour sûr. Pour ce 14 novembre prochain. Bien sûr. À croire, je ne sais pas comment DJ François sera. À croire qu'il viendra bien. À croire qu'il viendra pour le casting de Jazz Band. Ouais. Je ne peux rien vous dire tout de suite. Mais ouais. On aura de grosses prises pour le 14 novembre. Mais non, Pascal Pierre, le mot de la fin. Peut-être inviter ceux et celles qui nous regardent en ce moment à faire le déplacement pour le 14 à Bruxelles. Alors, je voudrais inviter tous les amis. D'abord parce que c'est très important, cet événement-là, c'est un instrument de mesure. Un instrument de mesure pour dire la diaspora, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui appartiennent à l'événementiel. Il y a des choses à faire et il y a des choses à produire. Et je voudrais une fois de plus remercier Willy Mix et DJ François pour cette initiative-là. Il y a le même jour, je tiens à le signaler, au Nigeria, les Afrima. Ça veut dire que les victoires de la musique africaine qui se passent au Nigeria le même jour. Le 14, c'est le 13, 14, 15. J'ai retardé mon départ parce que j'irai le 15 pour la grande soirée. Donc j'ai dit, Willy, il m'a contacté, ça fait un an que nous préparons cette édition-là des Oscars. J'ai dit, je travaille pour BeBlack, mais j'ai donné ma parole pour cet événement-là. J'y serai. Et donc, c'est le lendemain matin à 7h du matin. Je partirai de Bruxelles pour le Nigeria. Et je voudrais donc dire que moi, je peux sacrifier de très belles choses ailleurs pour cet événement-là. Vous aussi, si vous avez un petit moment, n'hésitez pas. C'est maintenant, il faut réserver. Nous y serons tous et vive les Oscars 2015. Bye. Willy Mix et DJ François. Avec le soutien, bien évidemment, de la Ligue professionnelle des jockeys du Benelux. Bien sûr. On va te remercier pour ta fidélité. Oh, bah oui. Ah oui, fidèle, toujours fidèle. Oui. Ta disponibilité. C'est un plaisir. Ta rigueur, plaisir. Ton professionnalisme. C'est un plaisir. Et puis, bien évidemment, les sacrifices que tu fais pour cet événement, ton nom, Pascal. C'est moi qui vous encourage en disant bravo encore, bravo pour cette initiative-là. Et tout ce qui est le mérite vous revient. Allez, hein? Le rendez-vous est donc pris pour le 14 novembre prochain à Bruxelles, dans la prestigieuse salle du Birmingham Palace, pour moins de 3000 personnes attendues, pour célébrer, bien évidemment, l'Afrique. Et l'Afrique n'est pas le maillon fort dans le cancer des cultures du monde. On voudrait aussi bien évidemment saluer l'extraordinaire travail du chef de projet, du chef Safromike, du magazine, saluer le patronage de Raymond Tiengan, les marraines des métropolitaines de Paris et du parrain Dieu Cyclone. Et on vous invite tous et chacun à venir bien évidemment festoyer avec la Ligue professionnelle des disques du Cameroun, Didier Willy Mix et Didier François le 14 novembre à Bruxelles, le cœur de l'Europe.
Allez, merci de nous avoir suivis. Sur ce, on vous souhaite de passer d'agréables moments. Et puis, faites l'amour, pas la guerre. Une boîte de préservatifs coûte moins cher qu'une bombe atomique. Allez, ça marche. Papa. Ciao, à bientôt. Merci, Pascal. Oscar Gala Night, la cérémonie de remise des Oscars aux promoteurs de la culture africaine. Le 14 novembre 2015, au Birmingham Palace de Bruxelles. Un événement à ne pas rater. Passe le message.